Bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode numéro 6 de What's the Remain of Edith Finch. Qu'est-il advenu d'Edith Finch? Alors la dernière fois on s'est arrêté où je m'étais baladé un petit peu dans les cimetières de la famille. On a même vu la maison qui était noyée au loin là, grâce à une longue vue. Et là on retourne à la maison, on est revenu un petit peu à l'endroit, il y avait des arbres et tout ça, on grimpait aux arbres. Et on s'en était arrêté là, voilà. Et en plus, on doit se suicider. Voilà comment finit cette vidéo. Je ne serais jamais venu alors que j'étais enceinte de 22 semaines. Hein, quoi? Mais elle a 17 ans. Elle a 17 ans, elle est déjà enceinte? Eh! Alors elle, c'est une pub pour mettre les, pour les préservatifs hein, et pour les pilules. Hein. Mesdemoiselles, prenez vos pilules et demandez et messieurs, mettez vos préservatifs. Oh là là, je vous jure, oh putain, elle va se casser la gueule. Putain, alors maintenant, en sachant qu'elle est enceinte, j'ai encore plus peur pour elle. Putain, mais meuf, mais t'es cinglée. Encore, t'es jeune, tu peux grimper, ok, aux arbres et tout. Bon, tu veux faire un petit peu ta folle, même s'il n'y a plus personne. Et si, que tu, si tu tombes et que tu te casses quelque chose ou que tu meurs, bah personne ne saura où tu es. Enfin, je pense, parce que t'as dû sûrement te barrer sans dire à personne où tu allais. Mais en plus, t'es enceinte. De 22 semaines? Je n'ai jamais connu grand-père Sam, mais je crois que lui et ma mère avaient beaucoup en commun. Ok. Alors là, on va dans la grande tour, c'est ça? Est-ce que je peux redescendre? Oui, je peux. Ah, je peux redescendre, même si c'est pas très très conseillé, vu qu'elle est enceinte de 22 semaines. Je vais dire qu'elle a 22 semaines. Oula, elle est jeune pour. Ah, drapeau américain. Ok. Ah non, la tour, la grande tour, elle est là-bas. Mais on va sur le côté. Ok, bon. On reprend l'échelle. Bon, on monte! Bah monte l'échelle. Oh là là, putain. Elle était dissidente. Elle voulait pas prendre l'échelle. Et pas celle de Jacob, parce que l'échelle de Jacob. C'est une vanne, c'est une blague. Oh, joli ours empaillé. Tous deux étaient assez passionnés. Ah, passionnés de quoi? De chasse, je suppose. Oui, de chasse. Oh putain, j'aime pas la chasse. À part si, bon, après la chasse... Je dis oui si vraiment vous chassez pour manger l'animal que vous chassez. Par exemple, si vous chassez un faon, bon, après, normalement, après, il faut chasser que les faons mâles ou femelles, je sais plus, pour comme ça qu'ils puissent se reproduire dans la nature. Mais je suis comme moustique, moustique est pareil que moi. La chasse, je dis oui si vous mangez la bestiole que vous chassez. Par exemple, c'est juste pour avoir des trophées, c'est dégueulasse. Sam a passé sa vie à prendre des photos, mais maman disait qu'il devenait nerveux face à l'objectif. J'imagine qu'on a tous peur de quelque chose. Lui il avait peur de l'objectif, écoute. Ah! Alors bravo! Alors le petit bonhomme qui est à gauche, là tout à gauche. Cette coupe iroquois, c'était bien dans les années 80. Encore et encore, années 80, c'était plus ça. Non, 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 là. Il faut faire quelque chose, hein. Non, mais en même temps, dans n'importe quelle époque, c'est pourri, laisse tomber. Ah! On va découvrir l'histoire de Sam. Ah merde, j'ai pas regardé la date. Ah bah c'est des photos hein, surtout, d'accord. Oh c'est Stanley. On dirait Stanley vite fait. Ok. Down, je te promets que tu n'oublieras jamais ce week-end. Oui chef, oh cool. Tu conserveras ce souvenir toute ta vie. Je crois que j'ai pas eu trop de tirs. Des fois ça va vite pour apparaître. Est-ce que je vais devoir tirer sur quelque chose? C'est une partie de chasse Dawn. Tirer fortement courageux. Hey, tu veux que je te tire quelque chose? D'accord, j'étais... Je peux pas avancer, je peux rien faire? Ah d'accord, je peux juste zoomer. Ah d'accord, elle parlait elle, d'accord. C'est flou. Alors là c'est flou. Là c'est plus flou. Là c'est flou. Là c'est plus flou. Là c'est censuré. Là c'est pas censuré. Voilà, attends, on prend une photo. Perfect. Ouais. Putain, je suis bon photographe. Il va pouvoir tout le week-end, pas vrai? Attends, je n'oublierai jamais ce week-end, papa. T'as tout compris, ok. D'accord, en fait, la fille a été obligée de... Son père l'a obligé d'aller à la chasse, super. Oh, attends, moi je prends cette magnifique photo de ce petit caillette bleu. Hey, language. Oh, hey, le langage, jeune fille. Je vais faire le papa. Hey, attends, on va prendre une photo de la carte. Au cas où on se perd. Non, je veux pas te prendre en photo, t'es moche. Parce que regarde tes lunettes, ça, c'est quoi ces lunettes? Oh putain, oula, attends, faut attention, voilà.
Oh là là, le regard qui tue, regardez. Okay. Elle a les yeux revolver. Je vais prendre quelques photos, d'accord? Fais attention, l'appareil est encore plus vieux que toi. Ouais, je vois ça, ça floute tout le temps. Oh, la petite musique, c'est mignon. J'aurais pas dû boire autant de café. Oh, on fait... Tu as raison, papa, ça commence à se dégager. Mais il fait toujours aussi froid. Ah d'accord, c'est moi qui... Ah d'accord, là c'est la fille. Oh, écoute. Vas-y, pisse. Est-ce que tu vas t'arrêter? Oh, il pisse longtemps, le mec. Alors, on va voir. On va voir si dans 10 secondes, il a pas fini de pisser. Ah ouais, D'accord, le mec, il se laisse faire. Oh, attends, moi, je prends la photo de la bouffe. Voilà. C'est important. Vas-y. Le mec, il va jamais s'arrêter de pisser. Non, maintenant, il est éternellement obligé de pisser. Oh, moi, je prends la petite photo de cette petite île. Oh, c'est joli. Oh, moi, j'aime bien, là. J'aime bien être photographe. Oh, regardez ce joli oiseau. Attendez. Attendez. Oh, bah, oh, je l'avais presque eu en vol. Oh, dommage. Oh, vas-y, moi, je fais mon photographe amateur. Moi, ça y est, hein. L'autre, il pisse éternellement. Voilà, regardez, c'est un pisse éternellement. Bah, je vais te prendre la valise, moi. Oh, ah non, je crois que c'était un oiseau, c'est une branche. Bon, allez, on va prendre la photo du papa qui pisse, parce qu'apparemment, c'est super important. Hey. L'homme qui ne pouvait jamais s'arrêter de pisser. C'est comme ça qu'il est mort dans les livres Finch. Ce que je veux dire, c'est que je ne serai toujours pas là pour toi, Dodd. Tu devrais te souvenir de ça si tu veux survivre. Tout ira bien, papa. Tu sais qui pensait aussi... Ah merde, quelqu'un qui est mort. J'ai pas le temps de lire. Dodd, je ne plaisante pas. Être dehors comme ça, ça ne te donne pas envie. À dire vrai, ça fait plus de 20 ans que je suis pas venu ici. Ah bravo, je sens qu'on va se perdre. Hop, petite photo de la cafetière. Voilà. Oh, oh la belle prise. La dernière fois, c'était avec mon frère Calvin. La vache, c'était une super... Ah, c'est le frère de... Merde. C'est le fa... c'est Calvin, voyez, Calvin. Vous savez, celui-là qui a fait le tour de l'arbre en balançoire. Et ben là, c'est son frère jumeau, Sam. Ah bah oui, mais je suis con, mais oui, j'ai pas fait le rapprochement de ça, parce que vu que ça fait longtemps qu'on n'est pas que j'ai eu cet épisode-là. Ah, c'est cool. Ton grand-père Sven nous avait appris à pêcher, à faire un feu. Rien d'autre. Est-ce qu'il y a un oiseau? On avait trouvé un ancien sentier de débardage. Il y avait des cerfs partout. Moi, je prends la photo de la bouffe. Voilà. Je parie que si je trouvais ce sentier, on serait certain de voir un mâle. Ah, papa, je vais gâcher tes photos, mais tu ne sais pas à quel point, quoi. Oh, attends, un peu plus de profil, s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà, ça c'était beau. Bon, oh, putain, une grande tente quand même. C'est quoi ça? Allez, la photo du fusil. Oh, on peut pas voir ce qui est écrit. C'est écrit quoi? Poésie. C'est écrit poésie? Je sais pas, j'arrive pas. Poème. Je crois que c'est écrit poème ou poésie. D'accord, poésie avec un fusil, c'est toute la contradiction de la chose. Voilà, j'ai pris la photo, alors. Est-ce qu'on va prendre la photo du Bigfoot? On prend la photo de ce panneau, c'est très intéressant, c'est très utile, on sait jamais. Bon, je prends. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne en photo là? Parce que j'ai pris l'oiseau. Ah non, là! Non, c'est pas, y a pas. Ben, j'ai pris la photo de l'oiseau, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ah! D'accord, alors le mec il disait, waouh, bravo Dawn, t'as réussi à prendre photo d'un oiseau. Bah non, en fait c'était le stellaire arrière que j'avais même pas vu. Alors attendez, vas-y, mets-toi droit, t'es le Bambi dans le film. Voilà, on a pris la photo de papa de Bambi. Avant que tu tires, je vais te prendre en photo. Bon, papa il veut me tirer, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et oh, c'est quoi ce jeu? Respire, allez, fais le sniper. Sniper, ah, c'est Sniper Wolf dans son enfance. Bon, elle était pas blonde, j'avoue, mais c'était une coloration de cheveux. Bon, elle avait pas de lunettes, c'est dans pas ça, parce que sniper avec des lunettes, ça va pas être facile. Faut avoir une bonne vue pour être sniper. Attends. Vas-y, alors, tant que j'ai pas bien prise. Attends, elle vise quoi en fait? Attends, il est où? Elle vise quoi? Vous voyez ce qu'elle vise? Moi, je vois rien. Elle vise quoi? Un oiseau. Y a pas le cerf là.
Bon, bah écoutez, on va la prendre en photo, mais je sais pas ce qu'il vise. Peut-être un tronc d'arbre. Bah écoute, c'est bien, tire sur le tronc d'arbre. Il lui bougera pas. C'est le plus facile. Ça a l'air d'être un Mosin Nagant, je suis pas sûr. On pense à un fusil de chasse. Hein. Je suis obligé de faire ça. Non. Voilà, bah c'est bien comme papa, mais si tu veux survivre, tu dois être... Bon non, mais t'es, c'est pas obligé de tuer une pauvre bête, t'as intérêt à la manger après, hein, m'en fous. Tu la tues, tu la bouffes, hein, là. Ah, tu bouffes tout entier, hein, je veux pas qu'il y ait de reste. Tiens-toi droite, laisse tomber tes épaules comme je t'ai appris, dès que tu es prête. Ok, alors attends, je prends juste la photo avec le pauvre... Oh non, mais attends! Oh, j'aime pas ça. Vous avez intérêt à la bouffer, je vous jure que vous avez intérêt à la bouffer, le bouffer le truc. Parce que si vous l'avez tué juste pour un trophée, ça va m'énerver. Oh la peau. Ah d'accord, c'est moi qui... D'accord, alors là c'est moi qui bouge le papa. Waouh. You. Salut. Coucou, au revoir. Salut, ça va. Ah, en avant, en arrière, ok. Sorry Don, just gotta reset the timer. D'accord, ok, alors faut que je me dépêche d'aller jusqu'à elle, d'accord. Ah d'accord, ok. Bah attends, bon bah voilà. Voilà, vite, au cours. Vite, le papa avec une moustache blonde. Vite. Ah, c'est pas facile à contrôler ce truc. Ah mais attends, faut que je vais où là? Dad, it's twitching. I think that's it's totally some... normal, Don. Just focus on the camera. Concentre sur la paille. Dad. Oh, dans ta gueule le cerf. Vengeance du cerf, vas-y, va te faire enplumer. Ça t'apprendra. Oui, je sais, je suis un salaud, mais là, franchement, le cerf, bien joué, le cerf. Moi, je suis le cerf, pour une fois. Chasseur de merde. De toutes ces histoires, c'est celle que j'aurais le plus aimé que maman me raconte. Sympa. Elle aurait bien voulu que sa mère lui raconte l'histoire d'un père qui chassait avec sa fille, qui est mort, parce que monsieur a voulu chasser avec sa fille. Et sa fille, bah, elle a pas vraiment tué le... En plus, la pauvre bête, parce que la pauvre bête souffrait, hein, je tiens à le dire, parce que comme la fille, elle était une amatrice, elle a pas pu tirer bien dans la tête, du coup, elle lui a tiré juste sûrement sur le corps, mais il était encore en train de suffoquer, en train de mourir d'atroces souffrances. Du coup, elle s'est dit, tiens, un petit coup de tête de la gueule à la chasseur, là, regarde, en plus, il ressemble à Stanley, comme ça. Et bah, pour une fois, ce sera la seule histoire où le mort, bah, il l'a bien mérité, tiens, voilà. Dans ta gueule, oh, putain, je déteste la chasse, ça m'énerve. Encore qu'ils prennent des photos de la nature, ça aurait été stylé. Au lieu de fuir la mort, Sam semblait tout faire pour la rencontrer. D'accord, parce qu'il voulait rejoindre son frère, je suppose. Oh là là, c'est triste. Ah oui, la porte, c'est vrai, ils sont condamnés maintenant avec de la goulou. Oh! Il va y avoir des... Oh, c'est pour ça qu'il est mort! Tu m'étonnes qu'il est mort, regardez. Bon, en même temps, c'est... Alors, je tiens à dire, ce n'est pas un vrai chat. C'est un petit chat peluche, hein. Ce n'est pas un vrai. Comme s'il pouvait tuer un chat. Putain, le mensonge. On peut pas tuer les fées, hein. C'était que du mensonge, hein. Si vous voyez des chasseurs qui disent un jour il a tué une panthère, c'est pas vrai, c'est pas possible. De toute façon, il serait mort même pas pour le raconter, quoi. Ok, on va encore dans des endroits bizarres. Il fait un peu nuit, lumière s'il vous plaît, t'as pas une lampe torche? Non, ok. Non, parce qu'il fait quand même très, très obscur. Ah, d'accord. Oula, par contre, marche bien parce que là, tu peux traverser le sol. On est un petit peu dans dans le toit. C'est une fenêtre ou c'est un trou? Parce que c'est pas très très hermétique tout ça. After Sam died, my mom and Edie got really close. Attends, j'ai pas le temps de dire vite. Après la mort de Sam, ma mère et Edie se sont devenus proches. Les deux avaient perdu gros. Se sont devenus proches, ça se dit. C'est plutôt Edie sont devenus proches. Oh, c'est mignon. C'est un jouet. Putain, il faut ranger les jouets, les gens. Putain, il laisse traîner des trucs partout. Attends, mais d'où qu'il y a une maison de bébé là-dedans? Putain, faut aller le trouver, le bébé, hein. Ah, d'accord, est-ce qu'il y a une... Mais c'est pas un peu dangereux, quand même, de mettre un... Bon, il y avait un truc anti-bébé, vous allez me dire, mais... Le gosse, plus tard, quand il va devenir gamin, il va grimper là, il va sauter par la fenêtre, il va traverser le plancher, là, qui est là, mais c'est dangereux. Vous aurez dû condamner cette sortie au mieux de mettre une barrière de merde. C'est quoi ces parents indignes, va? Alors là, ça va être Grégory. Ah, Dawn, d'accord, c'était la petite fille, c'était la fille de Sam. Gus DX. Ah, on va peut-être avoir... Ah, Gus. Oh, l'histoire de Gus. Bon, attends, je la garde en dernier parce que quand même... Alors, strength. Strength, ça veut dire quoi? Je sais plus. Respect. Ah, oh, bah ça veut dire respect.
Travail en équipe, ça veut dire. Mon strength, je sais plus ce que ça veut dire en anglais. Hein. Je suis nul en anglais. Bon, alors on va découvrir l'histoire de Gregory. Oh, on dirait Pac-Man qui laisse sur son lit, c'est mignon. Ah, là, contrat de divorce, ah, bah, ça super, Gregory. Cher Kay, te souviens-tu du rire de Gregory quand il se croyait seul? C'était comme s'il se passait un truc marrant, mais qu'il était seul à le savoir, à le voir. Oh, je suis un petit bébé. Cool. Je crois qu'il voyait des choses qu'on ne voyait pas. Quoi? Oh, la musique est... Elle se lance quand je bouge la grenouille. Oh, c'est cool ça. Ouais, on va jouer à la petite grenouille. Allez hop. Allez, on va revenir dans notre enfance. On a tous une petite grenouille dans notre bain. Dites pas le contraire. Et un petit canard aussi. Même maman avec un petit canard, mais elle c'était pour un autre genre de canard qu'elle avait dans son bain. Ah, c'est moi qui contrôle la grenouille. Oui. Et regardez, 360 nos scopes. Et hop. C'est une grenouille au boomerang. Le bain est terminé, Gregory. Il est temps de... Oh, bonjour maman. Eh, hey, jolie maman. Eh, maman, reviens là. Ah, c'est dans la... D'accord, ok. Allô? Sam, je t'ai dit que je ne veux pas te parler pour l'instant. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il... Eh, il a un peu shooté le bébé, là. Maman, qu'est-ce que tu as avec le bébé? Je montre ce qu'il a vu. Le bébé est shooté. Il voit des bulles et tout qui volent. Non, mais maman, qu'est-ce que tu lui donnes à manger au bébé? Et en plus, on n'est jamais un bébé. Je tiens à dire, c'est très... Bon, vous allez me dire, après, ça dépend de la mère et tout ça, mais... Normalement, vous ne laissez jamais un enfant seul dans une baignoire. Il peut s'arriver, surtout quand ils sont petits à cet âge-là. Il peut arriver n'importe quoi. Moi, il m'arrivait souvent de garder mon neveu quand il était bébé. Je restais tout le temps à côté de lui. Hein? Bon, après, vous pouvez aller esquiver quelques secondes. Hein? Si vraiment, par exemple, vous avez votre portable qui sonne, il est dans la cuisine. Bon, vous courez vers la cuisine, vous prenez le portable, mais après, vous revenez dans la salle de bain, vous parlez à votre gosse. Encore, vous pouvez rester quelques secondes. Mais il faut jamais, jamais... Jamais laisser un bébé, un enfant, un petit enfant seul dans la baignoire. Il peut se noyer. Je dis ça, c'est franchement, c'est pas pour rigoler. Voilà, ce sera la minute intéressante du. Il me faisait tellement penser à Calvin. C'était la Attends, j'essaie de piquer un truc perdu dans ses pensées. Ouais, c'était la minute. Wouh, oh, ça danse avec les canards. C'est la minute. Comment dire, la minute attention pour les bébés. Ouais, je sais pas. En plus, il est bien shooté, comme vous voyez. Si vous laissez un enfant seul, il se shoot. Je sais pas où il a trouvé le produit, mais il se shoot. D'accord, est-ce que je fasse quoi? Faut que je joue avec la bouboule? Ah, attends, est-ce que faut que je ramène la bouboule? Non? Ok. Oh, j'adore cette musique en plus. Ah, musique classique. Oh, mais c'est cool, ça va bien. Hey, je danse avec les canards. Wouh, allez, vas-y. Allez, hop. Je m'amuse trop, moi, en fait. Avec la musique, c'est trop cool. Vas-y. Ah, c'est la même petite moment musique classique de cet épisode. Je sais même plus c'est quelle musique. C'est pas le Danube bleu? Non, c'est peut-être pas ça. Si c'est le Danube bleu, je suis trop fort. Je vous mettrai peut-être en sous-titre pour ceux que ça intéresse. Ou pas, ça sûrement intéresse personne, mais j'aime bien donner les noms des... Bon, après, on fait quoi, là? Bon, c'est bien bon 2 secondes, la musique classique, mais à un moment, faut qu'il y ait des trucs qui se passent, parce que, bon, le gamin, j'ai compris, il est shooté. Faut qu'il attrape le truc? Non? Bon, ok. T'as des gros pieds, quand même. Je pense qu'il faut que j'attende que la conversation de la mère se finisse. Est-ce que c'est ça en fait le twist, et qu'en fait le bébé va mourir noyé parce que la mère elle se dispute avec le mari au téléphone, et qu'en fait ça dirait bien ma conclusion qu'il faut jamais laisser un gamin seul dans la baignoire? Ce serait une bonne leçon pour les parents, aux futurs parents qui regardent cette vidéo, ce serait... Oh ouais, j'ai fait tomber le S. Eh, attends, ça veut dire Snake. Attends, le B, fais tomber le B là, vas-y. Ah, je peux même pas faire tomber le B. Bon, en tout cas j'ai eu le S. Peut-être qu'il faut que je... Non. Bon, écoutez les gens, désolé si vous vous ennuyez un petit peu, mais là je peux pas faire grand chose. Hein. Je peux juste contrôler la grenouille et faire aller à gauche et à droite. Je peux même pas faire tomber le B. Ah, attends, il veut peut-être que je... Non. Tu veux pas que... Non. Ah, d'accord. Je viens de comprendre un truc. Alors là, franchement,
Dites-moi dans les commentaires si vous y aurez pensé, mais en fait, faut j'appuie sur la touche R1 pour le faire sauter. Je croyais qu'on pouvait juste la faire nager, en fait, on pouvait la faire sauter. Voilà, alors désolé pour ceux qui ont attendu pendant 2 heures. Quoi qu'il l'avait vu. Oui, quoi qu'il avait vu quoi. Attention, on se contrôle, on laisse appuyer sur R1 et on saute. Ouais, au-dessus de la baleine. Ouais, oh merde. Attends, hop. Oh merde, attendez, on va aller. Hop. Mais pourquoi il y a les petits bonhommes qui viennent d'apparaître et qui sautent quand je saute? Putain, j'arrive plus à sauter. Voilà, attendez. On va prendre son. Attention. Ouais. Oh, j'ai réussi sur la baleine. Voilà, c'était mon objectif. Ça l'a sûrement rendu heureux. D'accord, ok. Ok. C'est quoi ce gosse qui est complètement shooté? Ouais. La baleine, j'ai remis en place. Attends, c'est écrit quoi? Ah, faut que je retombe dessus pour que. Mais c'est quoi ce gosse? D'accord, ok, faut sauter sur le truc. Ah, attends. Attends, merde. Ah, mais c'est pas facile de viser en plus. Attends, la baleine, bouge pas. Je vous assure, c'est pas facile. Allez, vite là. Je sais que ça paraît idiot. Ok. De s'inquiéter d'un bébé qui a l'air trop heureux. Bah, moi je dirais que non. À mon avis, il a un petit peu shooté le bébé. Hein. Mais je sentais qu'il s'éloignait. Oh là. Oh là. Désolé, Grégory. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais. Quoi. Il va tomber dans le trou, mais c'est pas possible. Il est passé petit pour tomber. D'accord, on contrôle toujours la grenouille. Bon sang. Oh. D'accord. Attends, je n'ai. Ah merde, j'ai pas eu le temps de dire ce qui est écrit. Vous avez sûrement eu le temps de lire, mais. Si seulement il avait pu nous parler. Ah d'accord, bah c'est bien ce que je. Du monde qu'il avait vu. D'accord. C'est bien ce que je disais. C'est dangereux de laisser un bébé tout seul. Allez là-haut! Ok, il y avait tant de choses que je comprends pas. Il est en train de se noyer, c'est horrible! Mais j'aime pas ça, j'aime pas les bébés qui se noient. Alors vous arrêtez cette vidéo tout de suite, cet épisode tout de suite, c'est pas possible. Faut que je remonte dans le. Ah, d'accord, ok. Alors le bébé il s'est bien nagé, putain, j'ai jamais vu un bébé aussi nager. Par contre, t'es un peu jaune le bébé, mais bon. C'est sûrement parce qu'il est en train de mourir intoxiqué, en suffocation. Intoxiqué aussi, peut-être, parce que vu qu'il voyait des trucs. Mais je sais pas ce qui s'est passé. N'est pas ta. Mais je sais ce qui s'est passé, n'est pas ta faute. Okay. Je suis sûr qu'il est heureux. Bah, mort, oui, il est sûrement heureux. Vu qu'il est mort, ouais, il a l'air vachement heureux. Et il voudrait que tu sois heureuse aussi. Good luck, Kay. Love, Sam. Bonne chance, Kay. Je t'aime, Sam. Oh, wow, en fait, j'étais à moitié de 20 dans cet épisode parce que. Il est même pas mort. Attends, il avait 1 an, quoi. Je suis désolé de finir sur cet épisode sur ça. C'était dégueulasse. C'est horrible. Franchement, alors on avait une mort juste avant avec Sam qui était bon, c'était marrant. Hein, voilà, ça lui apprendra à Sam de chasser. Et puis bordel de merde, c'était la seule mort qui était assez bien dans l'histoire. Mais là, pauvre bébé qui meurt noyé parce que sa mère n'a pas fait attention à lui. Comme je le disais, j'avais prédit en plus. C'est vraiment ce que je disais, ne pas faire attention à un bébé dans la salle de bain. Voilà ce qu'à quoi ça amène. Et quoi, c'est fou quoi. Je pensais vraiment pas que le jeu allait faire ça sur un bébé. Putain, j'aime pas ça. Bon, on va dire que c'était un nourrisson en plastique, hein, c'était pas vrai. Oh, il y a la grenouille, elle est devenue jaune la grenouille. Ou alors c'est un effet de la lumière peut-être. Bon bah voilà. Je suis vraiment désolé de finir sur ces. Oh putain, c'est horrible. C'est horrible de finir sur un épisode comme ça. Oh, je suis vraiment désolé. Oh. Mais quand même, il est fort le bébé quand même, parce qu'en fait il a envoyé la grenouille sur le truc de robinet. En plus le robinet, c'est un robinet en plus super pas du tout sécurité, parce que il y a juste à le faire baisser, vous voyez, et c'est bon, ça envoie l'eau. Alors que si ça aurait été un système de robinet qu'on a nous, juste en tournant, bah là le bébé il aurait été plus compliqué hein, pour faire venir l'eau. Hein. Bon bah voilà, en tout cas ça a prouvé ce que je disais. Les gens, futurs parents, si un jour vous voulez être parents, ne laissez jamais votre gosse tout seul dans la baignoire. Voilà, au moins ce sera une leçon de vie, même si c'est très très triste. Oh putain.
Bon, on va arrêter cet épisode là parce que je vais ça va finir en mode dépression cette histoire. Allez, salut tout le monde, mettez un petit pouce bleu si vous a plu. ne soyez pas trop dépressif après cet épisode là. Si vous êtes si vous sentez dépressif, regardez l'épisode 4 hein. L'épisode 4 pour moi pour l'instant c'est encore le meilleur. Ça vous remonte un petit peu le moral. Je me fais de l'autopub. Ouais, alors je fais ce que je veux. Salut tout le monde et portez-vous bien.